Donc on va faire un petit tour de magie, ok? Pour ça, on va utiliser des cartes. Des cartes qu'on va même pouvoir mélanger. Comme ceci. Voilà. Ces cartes, ensuite, je vais les étaler devant toi. Je vais juste te demander de les visualiser. Okay. Okay. Juste suis mon doigt, juste pour les voir une fois. Ça peut être très rapide. C'est bon? Parfait. Juste récupérer ces cartes. Et je vais ensuite te demander de penser à une carte, celle que tu veux, dans le paquet. Juste pas des jokers parce qu'ils ne sont pas là. Okay. Quand tu as choisi cette carte, tu vas pouvoir l'écrire sur ce bloc-notes. Et bien sûr, il faudra juste que tu montres à la caméra pour que les personnes voient bien ce que c'est. Et quand tu auras écrit cette carte, tu pourras arracher la page et la garder pour toi. Récupérer le bloc-notes. Donc tu as gardé, tu as bien caché? Oui. Parfait. Et ensuite, on va essayer de voir un peu avec ton inconscient, essayer de retrouver cette carte, ok, que tu as choisie. On va essayer juste de la retrouver petit à petit. Okay. Juste me concentrer. Juste demander de te concentrer sur cette carte. On va voir s'il y a quelque chose qui me vient. Ça pouvait être partout, n'importe où, sur le bloc-notes. Très bien, donc elle était vers le début. Je pense même, en fait c'est ce chiffre qui me vient. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, ce chiffre? Le 6. Le 6? Ben, je donnais mon petit frère à 6 ans. Non, bon. Juste te demander maintenant de prendre ce paquet de cartes, s'il te plaît. Très bien. Non, fais pas, pas de soucis. Et retourner une par une des cartes jusqu'à la cinquième position. D'accord. Une. Une. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Et est-ce que tu peux juste dévoiler pour la première fois la carte que tu as écrite sur ce papier, s'il te plaît? Ok. Bien caché. Le 6 de carreau. Vas-y, essaye. Oh! Parfait. Merci beaucoup.